Yo les gens, c'est Phasmur4800. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Counter-Strike. Donc vous allez voir comment je vais galérer. J'ai essayé 2-3 parties contre des bots. Et là je vais aussi faire une partie contre des bots. Et si je me débrouille bien, si je me débrouille bien, on fera une petite en ligne, on verra le temps que ça durera. Donc je mets le timing en route, donc une vidéo de 20 minutes ça fera. Donc il est exactement 17h52 et à 18h10, 18h15, ce sera bon. Alors c'est parti, donc jouer. Donc hors ligne avec des bots, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Donc on va faire un démolition occasionnel compétitif. On va faire un match à mort. Hein. Map aléatoire vu que je connais aucune map. Go. Alors, difficulté des bots. Progression est désactivée pour cette option. Ok. Facile, moyen, difficile ou expert. pas expert. Je pense facile. Ouais, on va mettre facile pour commencer. Si c'est trop facile, je quitterai. Voilà, je vais mettre moyen. Voilà, moyen. Comme ça, si je me fais défoncer pour rigoler un peu. C'est parti, let's go swing. Donc c'est clavier souris, hein, vous en doutez sûrement. Techniquement je peux mettre ma manette de PS4 dessus, mais je préfère pas. Il faut que je m'habitue. Donc c'est j'ai fait une configuration spéciale moi-même de mon clavier pour Counter Strike. Putain, ma souris déconne. Ah non, voilà. Ah si, mais putain. J'espère que je dois pas changer la pile maintenant. Normalement j'ai 1400 heures dedans. Ouais, à mon avis c'est un petit bug. Continuez. Alors, terroriste ou policier? Bah, terroriste, attends. On a déjà vu ou quoi? Alors. Hop, c'est parti, on va essayer de jouer. Donc ça c'est un collègue. Ok, là je peux monter je crois. Même pas. Je croyais que c'était un escalier, t'as vu? Ah bah si, je peux monter. Wouah, je suis à PGM. Ah, c'est un ennemi. Attends. J'ai ici. Non, ok. Alors. J'ai l'habitude d'appuyer 2 fois sur le bouton. Oh, il m'a déchiré la rate. Ok, d'accord. Pourquoi je change de snipe? Pourquoi je... Et moi, je veux pas un snipe, sérieux. Non, c'est pas ça. Q. Comment on fait pour changer d'arme? Normalement c'est la roulette. Ah voilà, ok. C'est jamais ça qui... Oh, une poule! Si je la tue, vous croyez que comme dans Skyrim, je vais me faire attaquer? Oh, j'ai tué une poule! Ah, en fait on respawn avec l'arme qui nous donne des points en plus. Ok, d'accord. Ça je savais pas. Pour ça que j'ai eu un snipe du coup. Alors on va essayer de trouver quelqu'un à tuer. Bon, j'espère au moins faire un ratio positif. Après, bon, ça compte pas, donc je m'en bats un peu les steaks. Ah, là-bas, il y a un mec. Non, ça. Ils sont assez forts, quand même. J'ai mis je sais même plus en quelle difficulté j'ai mis, t'as vu. Ah, je croyais que c'était une porte. Par là, il y a un ennemi. Je le vois sur la carte. T'es où? Je trouve personne. Donc c'est une map que je connais pas, hein. Je connais aucune map, donc j'ai mis aléatoire. Et cette map est un peu bizarre, elle ressemble à rien comme map. Toi là. Oh, j'ai tué quelqu'un. Rechargé. Ah, t'as un ennemi toi. Ah pardon. Je pensais que t'étais un collègue. Je pensais que c'était un pote, wesh. Lol. Alors, c'est assez sombre ici, donc je... Ah putain, mais je me fais spawn kill par un bot. Alors prochainement je ferai les vidéos en facecam. Beaucoup de gens me le demandent en message PV. Mais bon voilà, je suis pas trop encore prêt, donc tant que... Putain, je t'ai eu bâtard. Tant que je suis pas encore prêt à 100%, je préfère pas me lancer là-dedans. Surtout que bon... On va dire que je me suis pas coupé les cheveux depuis 6 mois, donc j'ai les cheveux
assez très long en fait. Oh non, il y avait un deuxième enfoiré. Il se déplace en bande, ces connards. Pardon pour la saturation, à mon avis, ça a dû saturer vu que j'ai gueulé. Alors, puis j'espère que mes voisins ils font pas trop de bruit parce que... Oh putain, là, il y a un mec. Cours, cours, Forest. Tiens, mange tes dents, bâtard. J'espère que les voisins font pas trop de bruit et que ça gêne pas la vidéo. Ah, c'est bon, j'ai... Il y en a encore un là-haut. Ah non, c'est un collègue. Donc c'est assez dur, moi perso là j'ai mal à la main. J'ai pas du tout l'habitude du clavier souris, mais bon, je pense que c'est une question d'habitude, après je pourrais... Tiens, mange tes dents toi, bâtard. Après je pourrais à mon avis jouer correctement en ligne, j'ai essayé en ligne l'autre fois, c'est horrible. Bon, j'avoue qu'à mon avis, des fois il reste là, il bouge pas les bottes. Là, y'a rien à rien. Oh putain, je pensais qu'il allait pas me tuer comme ça. Bâtard. Alors, oh, j'avais pas vu. Oh le bâtard. Je la kiffe cette arme. On peut pas viser, c'est dommage quand il y a... En fait, tant qu'il y a pas un viseur, pour ceux qui connaissent pas, on peut pas viser. Ça c'est un peu dommage je trouve. Après bon, c'est le jeu qui est comme ça. Mais il est vraiment bien ce jeu. En sachant que ce jeu là date de 2005. Si je me trompe pas, le jeu date de 2005. Donc c'est un très vieux jeu, vous voyez que les graphismes sont pas... sont vraiment très bien hein, pour un jeu qui date de 2005. C'est vraiment un jeu... un jeu assez bien niveau graphiquement. Bon, évidemment, ça vaut pas un Ghost hein, sur PS4, ça c'est sûr. Mais ça se tient, c'est pas mal, c'est assez réaliste. Le jeu... Oh putain, ah. Le jeu en lui-même est assez réaliste. Beaucoup plus réaliste, je trouve, que de Ghost, parce que Ghost, sérieux... Hein. Là, ici, franchement, il n'y a pas de problème de co. Enfin, d'après mon expérience que j'ai sur le multi, enfin, j'ai fait 4-5 parties. J'ai pas eu trop de problèmes de connexion, donc c'est déjà pas mal. Par contre, sur PS, laisse tomber. Oh, toi, je t'ai vu, là. Vas-y, remonte ta gueule. Vas-y, ramène ta gueule. Tu veux pas, bâtard. T'as peur. Hein, bâtard. Eh, viens. T'es où? Ah, t'es derrière moi, fils de pute. Ah, merde. Héro de puta. Putain, j'ai un pépon. Oh là là, je vais les défoncer, tu vas voir. Vas-y, hop là. Ça se fait, je vais perdre kill est direct. Ah, c'est un collègue, excuse-toi, pardon. Donc ouais, en fait, j'ai une souris assez spéciale. Avec des boutons, en fait, sur le côté. Ah, putain. Vous voyez, en fait, ils ont vous voyez, un genre de truc jaune au-dessus de leur tête. Et en fait, à chaque fois, je crois que c'est les collègues, parce que les collègues, ils ont une flèche jaune, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Lui, il a une flèche jaune, et l'autre, il a un truc jaune sur sa tête. Pour ça, à chaque fois, je me trompe. Donc, je disais, j'ai une souris assez spéciale. En fait, j'ai des boutons sur le côté, enfin... Tous les gamers PC connaissent ça, évidemment. Et moi, j'ai acheté ça et c'est vraiment beaucoup plus pratique que juste le clavier et la souris simple. Donc, il y a genre pour recharger, etc. Je dois pas l'appuyer sur... voilà, je dois plus bouger. Une fois que mes mains sont posées sur mon clavier et sur ma souris, je dois plus bouger, au fait. Tandis que si je devrais faire tout sous le clavier et la souris seulement, normal, quoi, une souris normale, je parle, et ben, ce serait beaucoup plus chaud pour moi. Donc, pour commencer, franchement, c'est... C'est le délire comme ça. Il y a un mec qui me tire dessus. Ouais, je t'avais pas vu. Ouais, toi t'es un relou, toi. Ah, toi je t'ai vu, t'es un relou. Vas-y, attends. Je suis où là? Ah. Ok. Hello. Alors, par contre, comment on fait pour voir? Je pense que c'est comme ça. Ah, ouais, voilà. Moi je fais du 8-10. Ouais, je fais du 8-10. Bon, on va essayer de tuer deux mecs sans mourir. Histoire de faire au moins un positif contre des bots quand même. Je me fais tirer dessus, je pense. Parce que t'es bâtard. Parce que t'es... Ah, ah. Oh ta gueule. Bâtard. Je voulais faire cette petite vidéo parce que voilà, ça... À mon avis, ça va saouler toujours... Tiens, je t'ai eu. Toujours le même truc, The Last of Us. Toujours The Last of Us, voilà, 3 épisodes d'affilée. Je pense que ça a dû vous saouler. Cette semaine, je vous mets cette vidéo. Et je vous mettrai aussi une vidéo de The Last of Us. C'est pas pour autant que je ne mettrai pas la vidéo de The Last of Us.
Faut savoir que si vous voulez, bah vous regardez la vidéo plus tard, ça vous saoule de regarder tout le temps. Putain, bâtard, bah. Surtout qu'il faut penser que... Y a pas que moi qui fais des vidéos sur The Last of Us, en fait. Yeah! Tu m'as fait peur, toi, bolos. Bolos. Ah, putain! Oh, toi, t'étais caché dans un coin de la map, toi. Voilà. Et oui, aussi, bon, là, c'est... Là, c'est parce que c'est contre des bots, du coup, les bots sont un peu cons et ils bougent pas trop. Mais franchement, ça bouge, hein. C'est un jeu qui bouge énormément. Parce que voilà, en fait, au début, ça me saoulait un peu, clavier-souris. Et j'ai quand même essayé avec ma manette PS4, hein. Et puis, franchement, c'est un délire. Les mecs, ils font que courir. Sur Ghost, les mecs sont tout le temps dans des vieux coins, etc. Là, les mecs, ils font que courir. C'est vraiment énorme. Alors, ce qui est pas mal réaliste ici, c'est que, par exemple, si je prends le couteau, donc si j'appuie sur Z, vous voyez, j'ai le couteau. Et en fait, il faut plusieurs coups de couteau. Il faut avec un coup de couteau, c'est pas suffisant. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Putain, merde, il a sauté, le bâtard. Parce que mettre un coup de couteau, c'est pas réaliste. Je sais pas, tu te prends un coup de couteau dans l'épaule, t'es pas mort. Là, il faut vraiment mettre trois coups de couteau. Je pense avec trois coups de couteau, évidemment, il y en a, ils s'en prennent, ils s'en pris 15 coups de couteau, ils sont jamais morts. Mais avec trois coups de couteau, il y a de grandes chances de mourir. Et voilà. Merde, il est où? Il est où? T'es là. Vas-y, sors, sors. Sors. Je vois pas bien, en fait, avec le reflet du soleil. Dans le noir, comme ça. C'est bon, il a eu mon collègue. Bien joué. Alors, on est à 11-11, pas mal. Ok, moi, le sniper, ça le fait pas. Bon, ok, c'est de la merde, le snipe. Ok, bon, ben, je sais pas si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Alors, on a gagné. Ah non. Je sais pas en vrai. Non, je crois qu'on a perdu. Mais c'est pas grave, j'ai fait du 11-11, donc j'ai fait un positif. Yeah! Alors là, il me demande de rejouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en refait une ou pas? Oui, on en refait une, bien sûr. Alors, est-ce qu'on en fait une en ligne ou pas? C'est ça la vraie question. Alors, comment je fais pour quitter? Exit peut-être? Avec mon clavier qui bug là. Non, donc, non, c'est pas. Exit, c'est sur quoi? Sélection automatique, observer. Non, non, ça joue pas. Si j'appuie sur Windows, ça va me remettre dans mon truc. On va refaire une normale. On va se mettre de l'autre côté maintenant. Ok, donc c'est reparti. Hop. Allez, plus. Après cette partie-là, ce sera fini. Donc j'aurais fait deux parties. Deux parties, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, deux parties. Ah, c'est bien. Oui, c'est bien. Par contre, là, c'est la même map. J'aurais dû regarder pour changer la map. Je me barre. J'ai eu les deux. Oh là là. Et vous avez vu ça, je suis à PGM, en fait, quand je suis à flic, j'aurais dû prendre un coup de cash. Jump shot, headshot, across the map, snapshot, hop. Yeah. Ah, là j'ai mal joué. J'en ai tué combien là? Eh, je suis du 3-1, eh, respect, hein. Respect, hein. Ah, il peut rien dire là, il y a respect. Dégage, flic. Merde, faut que je recharge. C'est une porte. Oh là là, et il est fou. Boum. Ah non, je dois recharger. Il y a des à la technique de fou. Oh, mais je suis dessus, il a même pas dit de marqueur. Vas-y, nique ta soeur. Fils de poulpe. Ah la foutre, je vais gagner, je suis chez les flics. Je cours. Vas-y. Vas-y, viens. Je crois que je l'ai eu. Ouais, ouais, je l'ai eu. Yeah. Ah merde, en même temps que je recharge. Dommage qu'il n'y a pas d'atout passe-passe, etc. pour... Oh, c'est quoi la pompe?
passe-passe, etc. pour recharger plus vite alors le score. Dégage. J'ai du 7-3, pas mal. Regardez comment je l'ai envoyé lui. Ah non, j'ai tiré. Eh, vous avez entendu le boom, hein. Eh, vous avez entendu, hein. C'est un cheaté, lui, hein. Je suis sûr, il a Wallach. Voilà, il a Wallach. Alors, pour ceux qui sauraient pas c'est quoi Wallach, hein, je vais quand même vous expliquer. Alors, Wallach, au fait... en fait, souvent, les gens confondent le Wallach avec les M-Bot. Donc, en fait, le Wallach... Ah, merde. Pardon. En fait, le Wallach, c'est un... Merde. Merde, voilà. J'étais trop concentré à parler. En fait, le Wallach et l'M-Bot, c'est deux choses totalement différentes. Et les gens... confondent souvent, moi, quand j'entends les potes qui disent « Oh, lui, il a Wallach », mais en fait, il a pas Wallach, il a un M-Bot. Un M-Bot, en vrai, c'est un mec qui, par exemple, voilà, moi, j'avance, comme ça, je fais rien, et mon bonhomme, il tire tout seul sur les autres mecs. Ça, c'est un M-Bot. Normalement, si j'ai bien compris, j'ai regardé sur Internet. Et un Wallhack... Un Wallhack, au fait, c'est un truc où est-ce qu'on voit les... Donc, par exemple, mon pote, il est là, je vois un carré bleu. Et un ennemi, il est derrière le mur là, bah je vois un carré rouge, au fait. Vous voyez, c'est ça le délire. Et bah évidemment, j'avais plus que 12% de vie. C'est ça le délire, et voilà. Ou alors c'est le contraire. Mais voilà, souvent, moi, je confonds aussi, comme tout le monde, au fait. Je suis pas un spécialiste du shit, hein. J'ai regardé sur YouTube un peu ce que c'était un Wallach, parce qu'un pote, il m'a dit, ah, ils sont tous des Wallach et tout. Et puis, il me semble que c'était le contraire, un M-Bot et un Wallach. Il faut savoir que sur Ghost, c'était vraiment dégueulasse parce que sur Ghost, j'ai regardé sur Internet. Je vais pas vous le dire. Franchement, je vais pas dire ce que je voulais dire parce que si je le dis, trop de personnes auront des shit sur Internet. Ah, pour tout vous dire, en cherchant sur Internet, en 10 minutes, je pouvais avoir... en 10 minutes, bah, j'étais Prestige Max et j'avais un Wallach et un M-Bot j'avais des killstreaks... Enfin, des killstreaks à volonté dans les parties et... Franchement, pour 6 euros, vous avez ça sur Internet. Voilà. Je ne dirai pas plus, je ne donnerai pas c'est où, parce que je suis anti-cheat dans les deux sens du terme. Donc anti-cheat dans le jeu et anti-cheat dans la bœuf, etc. C'est pas mon délire non plus. Donc voilà, c'est vraiment... Moi, je suis anti-cheat surtout dans le jeu. Bon, dans la vraie vie, c'est vrai que ça arrive à tout le monde de fumer un pet en soirée. On tire une ou deux lattes, mais voilà. Bon, voilà. Dans le jeu, c'est anti-cheat pour moi. Et puis, c'est tout. Pourquoi ? Parce que c'est dégueulasse. Il y a des mecs qui se cassent le cul à faire les levels et tout. Ils arrivent prestige max. Et puis, vu qu'il y a beaucoup de lobby, bon, on leur dit « Oh, ouais, toi, t'as un lobby, etc. » Donc, vous voyez, le mec qui s'est cassé le cul pour qu'on l'insulte de lobby, quoi. Au lieu qu'on ait... au lieu que les gens aient la semi-reconnaissance qu'ils doivent avoir. Semi, hein, parce que c'est parce qu'un mec, il est prestige max que... Que vous devez être, oh ouais, lui, Prestige Max, oh, salut mon pote et tout. Non, voilà, il y a une certaine reconnaissance à voir quelqu'un qui est en Prestige Max et le mec qui s'est toujours insulté. C'est à peu près dégueulasse. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire à propos des cheats. Et je commence à me débrouiller pas mal, hein. Et voilà, donc c'était la petite parenthèse sur les lobbies de Ghost. Et voilà. Je sais même plus pourquoi je suis arrivé là-dessus. Oh non, j'ai eu le premier mais pas le deuxième. Oh, oh, quel suspense. Eh, je fais du 17-10 les amis, hein. Vous voyez ça un peu. Alors, hop hop hop. Attendez, je remets mon doigt correctement. Voilà, c'est parti. Et voilà, c'était là la petite parenthèse du shit Wallach M-Bot, voilà. Alors là, on revient sur le jeu, donc. Ouais, je tâche de sang un peu partout, les balles. Je pense que les balles restent dans le mur. Je suis pas sûr. Hein, je suis pas sûr, mais le jeu est quand même beaucoup plus réaliste. Il faut mettre pas mal de balles. Ça, c'est vrai. Mais par exemple, si vous mettez une balle dans la tête, il est mort. Si vous en mettez 15 dans le corps, je crois qu'il en faut pas 15 dans le corps. Hein. Voilà, il en faut plus dans le pied que dans la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça qui est bien sur Ghost. Si t'en mets 3 dans la tête ou 3 dans le pied, ça revient au même. C'est pareil. Voilà, donc ça c'est un peu dégueulasse, à part si vous jouez hardcore, vous en mettez une partout, et ça aussi c'est pas du tout équilibré. Parce que tu te ramasses une balle dans le pied, pour moi t'es pas mort. Après, ce que je trouve un peu irréaliste dans Call of Duty, et surtout bah, dans tous les FPS, c'est quand tu te prends une balle, t'es rouge, oui, d'accord, mais tu tombes pas au fait. Et j'en ai parlé avec ça un pote, il m'a fait comme ça, oui mais t'imagines si à chaque fois tu te prendrais une balle, tu tomberais. Donc ça fait que c'est celui qui a la... Oh putain, c'est un pompe.
Oh là là, je vais mourir. Il m'a dit, tu t'imagines, alors tu prendrais une balle à chaque fois que tu tomberais, tu n'auras aucune chance de... T'auras aucune chance de survivre finalement. Et oui, voilà. Après réflexion, c'est vrai que c'est plus, c'est mieux comme ça que si on mangerait qu'une balle. Regardez, ma mon impact de balle, il y a encore celui de tout à l'heure, donc ils disparaissent pas. Et ça, c'est pratique. Enfin, c'est pratique. C'est réaliste, on va dire. Ouais, j'ai pas de réflexe de me déplacer sur le côté ou quoi. C'est pas grave, on y retourne. Plus que 2 minutes 30 de jeu, ouais, ça, c'est pas mal. J'espère qu'on va gagner quand même, putain. Eh hey. Alors, vite, 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 faut faire des kills, là. Oh, il m'a mis une balle. Ah, il est au snipe, il m'en a mis deux, en fait. Oh, j'ai un snipe, moi, j'aime pas le... C'est un Scar. C'est un snipe, ça? Ah, c'est un Scar 20, c'est pas un Scar H. Je pensais que c'était un Scar H. Dédicace à moi, quand même, parce que la Scar H, c'est l'arme... L'arme officielle belge de l'armée. De l'armée belge, plutôt. Enfin, c'était, maintenant je sais pas si ça a changé ou pas, mais je sais qu'il a dépassé, c'était encore celle-là. Ouh, pas mal. Mais je continue à tirer pour diviser. Parce qu'en fait, c'est pas, on appuie pas quand on veut viser, en fait. Quand on appuie une fois pour viser, il reste visé, le mec. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tu m'as 40 mon kill, là, toi, bâtard. Bâtard. W, il est où? Là. W, hop. Et j'appuie sur W, là, me fait pas chier. Voilà. Je préfère le petit pétard que... Que le snipe. Alors, Mais ce jeu, franchement, il est bien. Je regrette pas d'avoir mis 15 euros. Il coûte encore 15 euros. Je regrette pas de l'avoir mis 15 euros sur... pour ce jeu, parce que, voilà, je m'éclate bien dessus. Après, c'est vrai que c'est un jeu qui reste assez solo, étant donné que moi j'ai une communauté, enfin une communauté. Tous mes potes sont sur, sur console. PS3, PS4, Xbox. Mais pas sur PC. Ah ouais, il a une arme beaucoup plus puissante. Et c'est pour ça que c'est assez dur. Enfin, c'est assez dur. Je suis assez solo quand je joue à ça, donc... Putain, j'ai spawn. Oh, c'est un FAMAS. Ah, par contre, il est... Oh non! Ah, tu me tueras pas! Ok! Ça, c'est un peu dommage que les armes soient aléatoires. Enfin, c'est dommage sans l'aide, parce que comme ça, au moins, vous testez un peu toutes les armes. Je pense qu'il devrait faire des niveaux, parce que je crois pas qu'il y a des niveaux. S'il y a des niveaux... Ah, les balles sont parties. S'il y a du niveau, il y a des niveaux, mais... Oh là là là, je prends cher. Il y a des niveaux, mais... Ah, nique ta mère. Il y a des niveaux, mais je suis pas sûr, en fait. Et je pense que ce qu'il devrait faire, ce serait par exemple le premier... Les 20 premiers niveaux. Oh, je suis premier! Oh, je suis premier! Ah, je suis premier! Voilà, je suis premier. Et 21, c'est pas mal, moi je dis. Hein. Pas mal, pas mal. Ok. Non, non, je veux plus jouer là. Donc on va finir. J'étais en train de dire quoi? Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est pas grave. Bon, bah tant pis. Vous me direz en commentaire ce que j'ai oublié de dire, ce que j'étais en train de dire. Donc voilà, bah c'est la fin de ce petit épisode de Counter-Strike. Vous m'avez vu galérer, vous m'avez vu gagner. C'est la puissance de la police. Et ben voilà, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Évidemment, c'est un jeu connu. Hein. Ça, je vais pas vous dire le contraire. C'est un jeu qui date de 2005 quand même. Et encore, ça, c'est la dernière version. Date de 2005, le premier, je sais pas de quand il date. Mais ça fait plaisir de découvrir des vieux jeux comme ça qui sont toujours aussi bien après autant d'années. Et je peux vous dire qu'il y a certains soirs, il y a plus de jeux sur ce... Il y a plus de joueurs sur ce jeu-là que sur Call of, sur PS4. Donc voilà, petit aperçu comme ça. Mais merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tous, à la prochaine, salut à tous!